Voilà, donc, mon père, donc, il m'a mis à la porte. Et Ton puis, vrai père t'avait mis à la porte? mon vrai père, ouais. Et Non, puis, mais dis-moi la partie, parce que ton Jeannie, il avait dit, ouais, t'as ta chance, parce que toi, ah t'es un oui, mec voilà. spirituel. Il y avait un frère, à l'époque, qui s'appelait Daniel Trojani, qui maintenant il est prédictionnaire. Il me disait comme ça, oh, Herman, toi, ta famille, toute ta famille, d'être au Seigneur, c'est pas possible. Prophétise, dis pas non, des choses comme Ça, ça. c'est merveilleux, quoi. Il ne savait pas que dans quelles conditions j'étais, j'étais le seul de la famille de convertis, moi, Ouais. en fait. Et puis ça y est, le dimanche, c'est pour ça qu'il faut faire très attention en tant que chrétien. Le dimanche, au culte là-bas, il y a un frère qui faisait le genre, il chantait ce cantique-là. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. Après, il dit Amen, Amen, c'est Ah. vrai. Mais le lundi, quand encore allongé dans ma chambre, j'entends quelqu'un qui frappe à ma porte. Mon vrai père, il dit, tu prends toutes tes affaires et tu dégages chez nous. Parce que nous, les musulmans, c'est pas ça. Y a pas Jésus là. Bon, je suis parti 3 ans après. Je reviens, j'ai plus de contact avec mon père. Quelques années plus tard, 3 ans, quoi. Je vais à la valise dire pour me faire couper les cheveux. Je vois un vieux jardinier qui est là. Il me dit, attends, t'es le fils d'un tel? Je dis oui. Bon, je t'attends là quand je t'amène chez ton père. Et puis, moi, dans ma tête, je pensais, mais il se mêle de quoi, lui, là? Et puis, voilà que, après le coiffeur, hein, il m'amène devant la porte de mon père, puis lui, sauve, lui. Tout de suite. Aussitôt. Et puis, je frappe, moi, là. Mon père, il ouvre la porte. 3 ans, je ne l'ai pas vu. Première chose qu'il va dire, Herman, si jamais je meurs, il n'y a pas de Jésus pour moi. Je ne veux pas entendre parler de ça. Oh. Et puis, moi, je lui ai dit, papa, ça fait 3 ans, je ne l'ai pas vu, tu peux quand même dire bonjour. Bon, il s'embrasse, il y a l'errance. Je lui pose la question, il dit, papa, si jamais tu meurs, là. Puis Dieu te demande, Allah, il te demande, qu'est-ce que ça peut être de Jésus? Il a dit à quoi? Il a baissé la tête, il a rien dit. Ah oui, ça. Et puis je lui dis, papa, moi je ne peux pas te parler. Parce qu'il y a des mots que je ne peux pas en javanais. Est-ce que tu accepterais que des frères viennent te voir? Et puis c'est un frère qu'on connaît bien, l'Assemblée. Un des anciens de l'Assemblée du Faubourg s'appelle Dasuki. Dasuki. Ouais, le vieux Dasuki qui est resté Voilà, au sixième, au quatrième. voilà, Ouais. voilà, voilà. Il est venu voir, il a témoigné à mon père, tout. Ah ouais, c'est Ah, bien. oui, Il a témoigné, atténuer. ouais. Et puis après, il a demandé à mon père de suivre le Seigneur, quoi. Ouais. Et comment il a répondu, mon père? Il dit non, moi je veux faire ma vie encore, je veux pas le Seigneur. Je vais faire ma vie. Alors, voilà, donc, puis les partisans vraiment connaître le Seigneur. D'accord, ok. C'est Il a entendu le témoignage, un témoignage. Bon, on ne sait pas à la fin de la vie, que s'il n'est pas mort d'un coup, on ne sait pas si son esprit, qu'est-ce qu'il a fait Non, exactement. malheureusement, Ouais. quand il est mort, mon grand-père l'a retrouvé, mais il est mort déjà. Il était mort Il est mort déjà. tout seul. Ouais, il est mort tout seul, mais on ne sait Hein. pas ses pensées. Voilà, Il a senti voilà la grâce de Dieu. qu'il partait. On ne sait pas dans son cœur Voilà, tout s'il à a fait, fait une démarche. tout à On peut fait, pas le savoir, tout ça. à fait, tout à fait, D'accord, gloire à tout Dieu. à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on dit que ton père, c'était un dur. Parce que 3 ans après qu'il t'avait pas vu, le seul truc, il dit non, mais moi, il faut pas me parler de Jésus, quoi. Il a dit un truc comme ça, quoi. Tout à Et fait. il a pas dit bonjour, ni rien, ni de... Tout à fait. C'est Ouais, incroyable, ouais, quoi. ouais. Ouais, voilà, comme quoi il y a des gens vraiment durs sur la terre. Et toi, tu viens d'un milieu dur. Tu viens d'un milieu dur et froid et sans pitié, Sec, quoi. quoi, hein. Sec, Pas de sec comme sentiment, le, voilà, ouais. sec comme le vent du nord. Et puis, Ça, c'est mon vrai père, hein. brut de pomme, quoi. Et t'as vécu dans des, voilà, Et c'est ce pourquoi, contact-là. et c'est pourquoi, moi, quand je suis converti, j'ai ma prière auprès du Seigneur, je dis, Seigneur, fais de moi vraiment cette nouvelle créature, que j'ai pas les manières, les sentiments, les pensées de mon père, parce que je sais très bien comment mon père l'a fait, comment il nous a fait souffrir, hein. Ouais. Là, j'ai connu des choses Horrible, quoi. terribles. Dur, dur. Vous avez Dans été. le problème sentimental, Ouais, affection, ouais. tendresse, j'ai pas connu ça. T'as pas connu ça? Non, non. Ni de la part de mon père, malheureusement, ni de la part de ma mère, parce que comme on était nombreux, moi Ouais. j'ai jamais, Ouais. Fallait qu'il s'occupe de tout le monde, quoi. voilà, jamais ma mère m'a serré dans ses bras, Jamais. jamais. Ah non, hein. Par contre, je sais, en rencontrant le Seigneur, qu'est-ce que c'est l'amour? Voilà. Le Seigneur Ah. Jésus, Ça, c'est autre là, chose. ça révèle son Ouais, amour, ouais, hein. ouais, ouais. C'est incomparable, hein. C'est Ah, gloire à incomparable. Dieu. Je pense qu'il y a, il y a, il y a, pour tous les amis auditeurs qui nous voient là, je pense qu'il y a vraiment que le Seigneur qui peut nous donner l'amour qu'on a. Sinon, on devient des bêtes sauvages. Ah oui, On devient des, comme des Nicky Cruz, quoi. ouais. Il y en a partout, en Java, en Calédonie, partout, de ces Oui. gens
qui sont durs, qui rejettent tout parce qu'ils n'ont pas connu quoi? C'est simple chose qui est l'amour. Qui est l'amour. Voilà, c'est pour ça. Ouais, je suis d'accord. C'est pour cela que, après les dons spirituels qu'il dit, je crois, dans Corinthiens 12. Et une fois qu'il a fini les dons spirituels, il passe au chapitre suivant. La plus grande, et maintenant, je vais vous donner quelque chose de meilleur encore. C'est l'amour, la charité. Bien sûr. Et voilà, et c'est ça qui est le plus grand. Plus grand que les prophètes, plus grand, c'est quoi? Mais c'est l'amour, voilà. L'amour, ben c'est l'essence même de Dieu. Hein. C'est l'essence même de Dieu. L'amour, quoi, à Dieu. C'est vrai qu'on est. Bon, j'ai laissé ça, ce petit mot là encore à rajouter. On peut pas rajouter du bien au bien, parce que c'est déjà bien. Amen.